Bon les amis, on est reparti sur le terrain. J'ai entendu de la moto. Ah ouais. Hop, là ça passe. Là on va essayer d'esquiver. Ok, on va essayer de rentrer là. Ok, là je crois qu'il y a un... Ah non, là ça... Ça va, y'a pas de trou. Ouais, ça gaze. Là je crois qu'il est hardcore. Ah non, lui ça va. Voilà, de diagonale. En vrai c'est une bonne petite taille de terrain. Faut juste réussir à tout enchaîner. Mais en vrai, tout enchaîner c'est plutôt stylé hein. Ouais. Quand je vous dis c'est pète gueule quand même une mini moto comme ça. Il y en a qui sont venus, qui ont eu la même idée que nous. On va laisser de rider avec eux. Je vais juste aller voir où ils sont parce que frérot, si on se tape, même si c'est que deux mini motos, pas envie de me taper. Hein, on va les voir. Il a l'air d'être équipé et tout. On va aller le suivre. On va les rider. Ah, il est équipé hein, et tout en plus. On va les rider avec lui, mais moi j'ai des petits trous. Ça va. Elle démarre plus. Ah, la chaîne. Ouais, ouais, regarde ta chaîne. Ah ouais, je comprends. Ah ouais. Ça, c'est con. Carrément. Ouais, c'est la chaîne. C'est une Apollo, le moteur. 550. Non, ça va. Ah ouais. Ouais, ça, c'est la chaîne, ça. Vous avez des outils? Moi j'ai une petite pochette d'outils, mais genre vraiment toute petite. Hein. Je sais pas s'il y a les outils pour. Hein. Ah ouais. Bah si vous voulez, je pense j'ai ce qu'il faut là pour enlever le cache-pin. Ouais, ça je l'ai, je crois. Tu vas réussir à la pousser, je suis garé juste après la bosse là. Ah ouais, j'ai fait ma voiture. Ah bah ouais. Les amis, je vous prends une petite minute, on se retrouve sur le site de Car Vertical. Les amis, je vous en parle dans quasiment toutes les vidéos. Les amis, Car Vertical, c'est ce site qui vous permet d'analyser votre voiture ou votre moto grâce à la plaque d'immatriculation ou le numéro de châssis du véhicule. Je vais vous montrer ce que c'est. Alors aujourd'hui, les amis, j'ai choisi un petit Yamaha, vous allez voir, c'est un petit scooter. Et en fait, quand vous recherchez avec l'IMAT ou le numéro de châssis, vous tombez sur tout un rapport détaillé du véhicule. Donc, il y avait toute l'activité du véhicule tracée dans tous les pays. Et là, par exemple, vous allez voir s'il a été volé ou non. Vous allez aller voir la courbe kilométrique, voir si le kilométrage a été trafiqué. Là, on voit que non, donc là, ça va. Parce qu'il y a des voitures, ça fait comme ça. Donc vraiment, il faut faire attention. Voilà, on voit plusieurs choses. Donc, c'est en lien avec les assurances, avec la police. Donc, c'est comme ça qu'ils ont toutes les références sur les véhicules. C'est listé dans tous les pays. Regarde, on a l'équipement. Et là, on a les photos de l'assurance. Là, comme il a été tapé, il y a eu un petit crash. Du coup, regardez, les amis, c'était un petit scooter Yamaha. Je pense que c'est un pas français. Parce que là, frérot, moi, j'ai jamais vu ça en France. Le radiateur comme ça à l'avant. Mais bref, en tout cas, il a été tapé. Donc ça peut vous aider à négocier le prix dans une négociation et même à vérifier un véhicule avant de l'acheter. Du coup voilà, n'hésitez pas les amis, le lien est en description et vous avez un petit code promo. Je vous mets tout en description les amis. Bon les amis, on va aller aider les collègues. J'ai une petite pochette d'outils mais j'ai rien de bien. Ils ont besoin de nos outils, ils ont pété la chaîne. Leur chaîne, c'est une Apollo. Leur chaîne, elle s'est mise dans le cache. Ouais. Du coup, comme j'ai la petite boîte d'outils, je leur ai dit de passer parce que là, à mon avis, ils vont pas aller loin. Avec ça, ils devraient réussir à l'enlever. Bon, les mecs, on est reparti. Comme vous l'avez vu, j'ai aidé les collègues. Malheureusement, j'avais pas tous les outils. Du coup, ils ont fait un retour à la base pour eux et ils nous ont indiqué des nouveaux chemins qu'on n'est pas allé voir. Et ils ont l'habitude de rouler ici, donc on va aller voir ça avec eux. Il va essayer de faire la montée là. S'il la passe avec son 86, ça sera incroyable. Oh putain, c'est un taré. C'est un malade, putain.
Let's go. Bah attends, j'arrive. J'essaie d'aller le rejoindre. Oh punaise, il a eu sa chute. Alors le but c'était pas de tomber. Je vais essayer de moi pas lui rentrer dedans. Mais il l'a fait quand même en slick. Qu'est-ce que t'as fait l'artiste? Oh non, le kit carénage. Bah au moins t'as ta miniature, c'est bon. Oui. T'as ta miniature. Y a rien que qui est pillé d'autre. Attends, tiens là deux secondes. Ah merde, heureusement qu'elle est pas tombée dans le fossé là derrière. Ah bah alors là, je veux même pas voir la pierre. Attends, je vais récupérer mon plastique. Vas-y, je tiens. Là t'en as un là devant. En fait, c'est pour ça que je récupère, moi j'ai rien fait avec. Ouais, c'est vrai. Fais gaffe. En fait, j'ai freiné sur ça. Ah bah ouais, putain. Mais tu l'as quand même fait, hein. Une montée comme ça, avec des slicks comme ça, faut le faire. Hein. Voilà, vas-y. Bon bah c'est tout. Même l'arrière. Ah bah là, ouais. Bon ça va, s'il y a rien de plié, s'il y a rien de tordu. Moi je l'ai vu, ouais je pense, avec la GoPro on va, je vais pouvoir zoomer. Ça va, il y a tout est droit. Hein? Tout est droit. Et ça repart. Hop. Nickel. Bon ouais, faudrait pas qu'il glisse. Ah. Vas-y, passe. On va pas aller loin là, si tu continues tes bêtises. Oh oui, t'inquiète, je peux te pousser. Aïe, aïe, il y va, hein. Bon, on va aller voir ce que ça donne. On lui a passé devant. Mais oui, moi j'ai la bécane requise pour. Donc à ce qui paraît, là, il y a plein de chemins, d'après les conseils. Ah merde. Allez, vas-y! Oh punaise! Là, faut faire attention là parce qu'avec le vide qu'il y a. Ça passe! Ça passe! Hey, là, c'est bien, c'est qu'on aura les deux points de vue. Ah ouais! Il y va! En semi-slick, ça me rappelle moi avec la derby. Ah ouais, c'est quand même grand, du coup là on voit tout ça. Alors je sais pas si c'est ces chemins là qui disaient. Mais ah ouais, ça glisse. Ça moi j'ai envie de le faire de l'autre sens. Ça me fait penser aux montées de l'extrême. Où ils cloutent leurs pneus. Là-bas on peut continuer les chemins. T'arrives au canal après. Ah ouais, ok. Ouais parce que du coup là on a pris à gauche. Et ça nous a fait un... on a longé la hauteur. Ouais ouais, là c'est cool là. Ouais, ouais. Tu peux aller encore plus loin sur la gauche, mais t'arrives sur la. Ok, ouais. Ok, d'accord. Bon. Pas mal, hein. Ouais, non, là, il y a moyen de s'amuser. Là, j'ai envie de le refaire la montée comme ça. Montée, ouais. Ouais, ça passe, ça passe en montée. Seul, ouais, non, toi, tu peux pas avec ça. Elle a pas dit son dernier mot, là, Honda, n'empêche. J'ai envie de faire la montée, là. Ah, ouais, non, il y a des vélos. Mais je sais pas si ça se fait, hein. La montée de l'extrême. Non, on la fera une prochaine fois. C'est parce qu'il y a les vélos, sinon je l'aurais fait, vous inquiétez pas. C'est là. On va aller voir, on explore, hein. Là, à mon avis, il y a de l'eau. Hop, les. Ah bah là. Ah oui, d'accord. Et là, on arrive là. Bonjour. Vas-y, repars. Là-bas ou... Bah là. Hein. Ouais. Ça passe pas. Ouais, bah attends. Ouais, on va reprendre là-bas. Allez. Laisse passer les gens. Alors, pas de soucis. Bon dimanche. Merci. Allez, hein. Moi, je repasse par là. Ça passe. Ça passe. Ça passe. Tout passe. C'est maniable quand même, mais c'est ras de sol. On va repartir par là-bas. J'ai quand même envie de faire la montée.
Dites-moi ce que vous en pensez. Il n'y a plus l'air d'avoir du monde, hein, mais j'ai quand même envie. Je pense en vrai ça peut rendre bien. Je vais la faire, je vais essayer. Et au pire on fera demi-tour. Là faut garder les gaz constants. Je pense qu'une deuxième pour faire tout ça. Ça passe. Ok, là on arrive dans le zigzag. Wow. Et là, hop les. Non mais franchement, c'est incroyable. J'ai hâte de revenir avec plusieurs motos. Tu peux facilement t'amuser, je trouve. Oh. Espérons qu'il a retrouvé le chemin de l'entrée, lui. Mais ça se roule plutôt bien. Ah bah il est rentré. Il a fait le retour au stand, je l'avais même pas eu. Oh là, il y a une autre montée à faire. Ça passe, hein. Toutes les montées, ça les passe, mais tellement facilement. En même temps, c'est léger, donc tu mets un petit peu de gaz et ça passe. On va aller se faire des... les petits whoops, là. Et là, on va salir, de toute façon, hein, on est bien obligé, hein. Ça, tu prends une vitesse de ouf, c'est incroyable. Hop, les. Et là, on essaye quand même. Faut trouver le bon rapport. Et comme c'est tout petit, ça se faufile, mais faut être toujours dans le bon rapport. Hop là, je suis mort. Ah ça, je le savais que j'étais mort là. J'avais trop de vitesse. C'était ce que je voulais pas faire. Hop hop hop. Non. Non plus. C'est physique quand même d'enchaîner les boss, tout ça. Là, c'est là. Ça va, quand le circuit commence à rentrer en tête, c'est un petit peu plus facile pour rouler. Là on prend quand même de la vitesse. Et là on voit que la barre LED elle s'est totalement desserrée. C'est le petit boulon. Le jeune boulon, ça va, sur la fin de la vidéo. N'empêche les amis, dites-moi si vous voulez qu'on revienne à plusieurs. Ça pourrait être grave cool. Ouh, là, il y a moyen de prendre de la vitesse. Hein. Alors là, je sais pas par où on va arriver. Je pense là, on peut enquiller. Hop. C'est tellement ras de sol, mais ça passe quand même. Oh là, je sais pas si on peut se la tenter, la grosse montée. On va essayer pour la fin de la vidéo. Ça se trouve, c'est ce qu'il fallait pas faire. Bah, allez, c'est parti. C'est passé. Je me suis chié dessus, mais c'est passé. Bon les amis, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo, les amis. On était sur le magnifique circuit. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus. On se refait ça. Il y a plusieurs. Là, je me suis un petit peu chié dessus là quand même. À la fin, quand t'es comme ça, sur ça, c'est pas très rassurant. Les amis, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram. C'était Léo et Lucas. Je vous mets sa chaîne en description pour voir la partie sur sa vidéo, pour voir différents points de vue. Ça peut être super cool. Tout est dans la description. On se retrouve à très bientôt. Salut les mecs, c'était Léo. Ciao. C'est passé. Je me suis chié dessus, mais c'est passé. I'm just fucking lit, man. I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man. Bottle of this shit. I'm about to write a hit, man. About to write a hit. No, I'm never gonna.